Now, I shall give the floor to Paul Weissenberg, who will present Michel Prêt. Bonjour, chers consoeurs, chers confrères. Je connais Michel depuis de longues années, parce que Michel, il est représentant de l'Agence spatiale européenne auprès des institutions de l'Union. Michel, il est belge, mais comme beaucoup de Belges, avec beaucoup d'identité. Il a une identité congolaise, bruxelloise, flamande et, surprise, une identité vénitienne. Donc, Michel, il est fondateur d'une association belge unique qui s'occupe que de la Serenissima Venise. Avec le nom, si je ne me trompe pas, c'est Venezia Viva. Bon, comme tous les Belges, il est profondément européen. Mais il y a plusieurs façons d'être européen. Même autour de la table de l'Académie, on le découvre régulièrement. Il y a des fédéralistes, il y a des partisans de l'Europe des patries, beaucoup en France. Il y a des gens qui adorent l'intergouvernemental et finalement les partisans du communautaire. Et Michel, au moins, il reflète deux écoles de pensée parmi les quatre, l'intergouvernemental et le communautaire. L'intergouvernemental, parce qu'on le voit avec Jean-Jacques Dordain, donc il a travaillé, il continue à travailler pour l'Agence spatiale européenne. Et en plus, il a été détaché au cabinet du président du Conseil de l'Union européenne, Herman Van Rompuy. Et là, il a appris de mettre sa main dans la machine communautaire. Donc, il va nous aider de créer les ponts nécessaires entre les différentes écoles de pensée et d'éviter les débats parfois stériles entre une ou deux ou trois de ces écoles. Michel est aussi un auteur. Je vous présente son petit livre, vous le voyez. Donc, Michel, vous le voyez, oui, mal. Alors, son petit livre s'appelle « Défis européens ». Les défis européens, ils sont nombreux. Et il a attaqué les défis européens sous un autre aspect, pas sous l'aspect financier économique. Il attaque les défis européens sous l'aspect éducatif, culturel et même symbolique. Donc, je pense que Michel est une excellente recrue. Il va enrichir les débats qui dépassent un peu l'aéronautique et le spatial. Donc, voilà, Michel, c'est tout ce que je voulais dire. Bienvenue et je te passe la parole. Merci, Paul. Merci, Président. Chers membres du bureau et chers membres, tout d'abord, je voudrais vous dire à vous toutes et à vous tous que je me sens très honoré d'être membre titulaire de votre académie et donc pleinement, à partir d'aujourd'hui, de mon académie. Mon ami Paul a eu la grande gentillesse de rappeler mon parcours européen, un parcours qui en effet me caractérise. J'en ai fait exercer pendant 7 ans la fonction de responsable de la délégation belge à l'Agence spatiale européenne. Pendant 7 autres années, la fonction de Key Account Manager for Space pour Alcatel Space Division Europe. Et je suis depuis 21 ans à l'ESA, dont 5 ans passés, comme l'a rappelé Paul, en tant que détaché au cabinet du président Van Rompuy. J'occupe à l'heure actuelle le poste de responsable du bureau de l'ESA à Bruxelles, bureau qui assure le lien et, si vous me permettez, bureau qui assure la fonction de pont, de jonction entre l'Agence spatiale européenne et l'Union européenne dans toutes ses institutions. J'ai donc l'avantage, si vous me permettez, d'avoir approché le secteur spatial européen
par le côté national, le côté industriel européen, le côté intergouvernemental et le côté Union européenne. Ce sont ces compétences acquises depuis plus de 35 ans que je voudrais aujourd'hui mettre à votre disposition, mettre à disposition de votre académie, qui est désormais pleinement, je l'ai dit, mon académie. Merci. Merci, Michel.